La solidaridad es el principal valor que ahora mismo tenemos que reivindicar desde la socialdemocracia. Solidaridad es empatía, es al final ponerte en la piel de otra persona, el ser consciente de que tu futuro también depende del futuro de la otra persona. Depuis 2016, les socialistes et démocrates se déplacent partout en Europe pour aller à la rencontre des citoyens pour parler de nos priorités à nous, les sociaux-démocrates. Et aujourd'hui, on a choisi d'être à Paris parce qu'on voulait parler de deux sujets qui nous sont chers et qui sont étroitement liés. Ce sont les questions sociales et les questions environnementales. Migration will be pushed by climate change, and climate change will ruin the living conditions in the south as well as in the north. Si on crée un droit d'asile européen, si on crée des points d'entrée sur le sol européen qui permettent de stabiliser la demande, si on arrive à multiplier les efforts dans le cadre de l'aide au développement, eh bien alors tout devient différent. On le voit bien, il y a partout une poussée des mouvements nationalistes, populistes, et donc il y a une responsabilité historique pour les socialistes européens. Nous avons besoin, et il est possible, d'avoir une autre Europe qui soit, au contraire, une Europe de l'ouverture, de la tolérance, de la fraternité, de la solidarité. Et je trouve ça scandaleux, en fait, qu'il n'y ait que, par exemple, Pedro Sanchez qui ait accepté d'ouvrir les portes de ses ports pour les accueillir, et parce qu'on voit très bien que au-delà de ça, c'est aussi une vision de l'Europe qu'on veut et qui n'est pas portée par la droite, par l'extrême droite, par des gens qui sont fermés sur eux-mêmes. C'est à nous, évidemment, de forger un message, de montrer qu'à travers les propositions qu'on fait, je parlais par exemple de la lutte contre la pauvreté des enfants, je crois que tout le monde peut comprendre que dans une société aussi riche que la nôtre, qu'il y ait un enfant sur quatre ou peut-être un enfant sur cinq qui vivent dans la pauvreté, c'est tout à fait inacceptable et que nous avons les moyens de lutter contre ce phénomène, mais il en faut la volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont oubliés que ce qui ne va pas avec l'Europe, c'est le projet politique qu'il y a derrière. C'est-à-dire, c'est un projet austéritaire, c'est un projet de droite, c'est un projet libéral. Et c'est un projet qui ne prend pas assez en compte le bien-être des populations qui y vivent. Je pense que la gauche unie peut vraiment changer la donne en Europe. Je pense que pour véritablement porter un nouveau message humaniste, un nouveau message de changement de la société de consommation, de changement de la société libérale, je pense que la gauche a tout le devoir en fait de porter ce message-là. Et qu'aujourd'hui, la seule force en Europe qui peut proposer une majorité alternative et construire une majorité alternative au système qu'on a aujourd'hui, où de fait c'est la droite qui décide de l'austérité, c'est la droite qui décide du manque de solidarité, c'est la droite qui décide de l'absence de politique sociale. La seule force qui peut proposer cette alternative, c'est la gauche européenne, c'est le Parti Socialiste Européen et c'est les sociodémocrates. Con lo cual, yo creo que si hay una fuerza que mueve el mundo, si hay un principio que mueve el mundo, ese debe ser el de la solidaridad.